quel impact cette Covid a eu sur, en termes de croissance sur votre société? Ah bah écoute, on n'est pas tout seul hein, dans cette situation. On a subi un impact terrible parce qu'il ne faut pas oublier que pour les assurances de personnes, c'est 58% à peu près du portefeuille en assurance voyage. Et comme le gouvernement et tous les gouvernements du monde entier hein, ont décidé de fermer leurs frontières à un moment donné, on s'est retrouvé avec une perte de 58% pendant une période donnée. Et ça continue toujours puisqu'on est presque à un an où on n'a pas commercialisé d'assurance voyage. Bon, maintenant, c'est un ralentissement. On est résilient. C'est le mot qui vient à la mode hein, aujourd'hui. C'est la résilience et l'adaptabilité. Et c'est ce qu'on est en train de faire tous les jours aujourd'hui. Et voilà. Mais c'est effectivement, c'est réellement extrêmement difficile. Mm-hmm. Je regrette juste qu'on n'ait pas eu un peu plus de soutien sur ces sujets-là, parce qu'on a dû payer nos impôts, on a dû payer les salaires pleins, ouais. Parce que nous voulions... vous savez, on est parti d'un principe simple, c'est soit on réussit tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Mm-hmm. Mais de toutes les façons, le point commun, c'est qu'on reste tous ensemble. C'était ça pour nous le plus important. Très bien.